Alors, en intégrant la formation TVGEPS, mes attentes, Oui, c'était déjà. d'apprendre des choses que je ne maîtrisais pas dans le cadre de mon travail. Ça a Unicité. Donc, Unicité, c'est une association nationale qui accueille des jeunes en service civique. Et la spécialité de l'association, c'est vraiment l'accueil de volontaires en service civique, leur accompagnement toute l'année pendant 8 mois. Moi, j'ai une fonction d'accompagnement des jeunes dans l'association. C'est le diagnostic, c'est-à-dire que on a été un peu bousculé dans notre vision qu'on avait des diagnostics de territoire. Pour moi, un fait marquant qu'il y a eu, qui est en lien avec le diagnostic, c'est un apport qu'on a eu à l'extérieur des Francas. On a évoqué le diagnostic de territoire autour de nouveaux bâtiments, en fait, qui portent une histoire parce que c'est un quartier qui a beaucoup bougé, c'est un quartier neuf. Et j'ai aimé ce côté-là d'apprendre et de parler du diagnostic sur un quartier qui est en plein renouvellement. Pendant mon alternance, il y a une action que je suis en train de mettre en place sur un des quartiers politiques de la ville de Nantes. Plusieurs temps de rencontres entre des professionnels de l'orientation et des jeunes entre 16 et 25 ans. Et l'idée, c'est un peu d'avoir une sorte de forum de l'emploi, mais avec vraiment une rencontre particulière et individualisée. Le BPGEPS, c'était pour me professionnaliser vraiment dans l'animation. Voilà, j'avais découvert l'animation, je vais pas dire au hasard, mais en tout cas pas par un circuit habituel. Le BPGEPS, c'était l'occasion pour moi de vraiment monter en compétence sur l'animation. Et quelques années plus tard, l'envie de rentrer en DEGEPS, c'est pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, mon envie, c'était vraiment de recevoir et de venir chercher en fait les mêmes choses que je venais chercher en BPGEPS il y a 5 ans. Et aujourd'hui sur des fonctions de coordination. Je dirais oui, à moyen, long terme peut-être, mais c'est vrai que c'est des formations qui sont engageantes dans le temps passé, dans l'énergie donnée. Oui, au vu de ce que moi j'ai pu apprendre en BPGEPS et de ce que j'apprends actuellement en DEGEPS, ça me donne évidemment envie d'aller faire plus tard une formation supplémentaire, pourquoi pas un DESGEPS, effectivement. Je suis hyper partisan de dire qu'il faut aller se former. On est dans des formations, dans l'éducation populaire, c'est pas de la formation simplement théorique, c'est aussi des expériences humaines, c'est aussi beaucoup de rencontres humaines. Moi, c'est ça que je viens chercher aussi. Si on a envie de se professionnaliser dans les métiers de l'animation, c'est des formations où on apprend beaucoup sur soi, on monte en compétences professionnellement, on apprend des choses humainement aussi. Donc voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est 1 an dans une vie, c'est vraiment pas grand-chose. En plus, c'est en alternance. Je dirais à tout le monde, rentrez en formation et n'hésitez pas.